comment est-ce que Michael Jackson s'est retrouvé à porter le maillot de l'OGC Nice? En fait, en 1983, il devait faire un shooting photo pour un interview dans un magazine et le photographe qui était chargé donc du shooting lui a demandé de s'habiller de façon décontractée. Mikey, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa garde-robe et il revient donc avec le maillot de l'OGC Nice. Alors aujourd'hui encore, on n'a absolument aucune idée de comment ce maillot s'est retrouvé dans son placard. En attendant, le photographe, lui, il adore les couleurs et il adore notamment le mot qui a écrit en gros sur le maillot, Olympia. Sauf que ce que le photographe ne sait pas, c'est que Olympia, donc qui est le sponsor de Nice à l'époque, et bah c'est une marque de chaussettes. Donc c'est beaucoup moins stylé. Le photographe a de la chance d'ailleurs que ça tombe sur Olympia, qui reste quand même un mot stylé, parce que si ça avait été le maillot d'une autre année, ça aurait pu être beaucoup moins stylé. Parce que les Mutuelles du Soleil, Tiki Restaurant ou la Maison de la Literie, c'est pas ouf quoi. Dans tous les cas, sacré coup de pub de 1 pour Olympia et puis pour l'OGC Nice, parce que c'est quand même une star planétaire qui porte le maillot de Nice. D'ailleurs, Michael Jackson aujourd'hui, c'est la troisième plus grande star à avoir porté ce maillot après Christophe Jallet et Valère Germain.